T'as un concert avec les Forbans ce week-end. Hein? Un concert avec... Je sais pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Un concert? Qui dit le monsieur? C'est une blague? Est-ce que j'ai une banane? Ouais, c'est une... Je pense que ça doit être une ref ou une blague et j'ai pas la ref. Oui, j'ai une banane. Oui. Oui. Et c'est quoi la blague? Ah, c'est mieux le DPS avec la nouvelle Claymore. C'est plus mieux. Je ne connais pas les formants, non. Si j'ai de la musique française, j'écoute quasiment pas de musique française. À part des vieux trucs. Des trucs de boomer. Genre Francis Cabrel. J'adore. Et c'est un peintre. Tu fais ça de musique. Ah, ils font au moins des concerts, vu ce que tu en dis. Hein. Mais ouais, ton chocobo peut soit être avec toi, effectivement, Yashor. Après, le truc, c'est que... c'est l'air des défauts d'FF. Rien n'est dur. Tu peux pas vraiment mourir dans les quêtes. Sauf si ça a changé dans l'extension récente, mais... attends, les Forbans. Les Forbans, groupe de rock. Oh mon dieu. Oh, ça a l'air tellement has-been. Ah oui, d'accord, effectivement, la banane. Oh, ils ont l'air tellement has-been. Terrible. Putain, lui, ça vient envahissant. Formé en 78. Oh, grand Dieu. Oh, grand Dieu. Ah, ça a l'air d'être has-been as fuck. Mais t'as quel âge, Crip, putain. Aïe, 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 aïe. Oui. Attends, et là, ils se font, pour animer la fête du cochon, ils se font... J'ai jamais compris, ça. 40 piges, une culture musicale de notre monde. Ah oui, c'est vrai qu'en France, visiblement, s'il y a... si c'est un maire du FN, RN, je sais pas quoi, là, on a pas le droit de jouer de la musique. Ça, j'avoue, je comprends pas ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre de quel parti est le maire? Je comprends pas. Quel rapport en fait entre le connard qu'ils ont élu et le fait de jouer un concert dans telle ou telle ville? C'est pas parce qu'un maire a été élu que tout le monde dit le même truc. Il y a sûrement des mecs du RNFN dans des communes de gauche. Et il y a sûrement des mecs qui sont de gauche dans les communes RNFN en fait. C'est pas binaire la vie, hein. C'est complètement con cette histoire. J'ai vu ça récemment, j'ai trouvé ça très très bête. Enfin, comme d'hab, quoi. Hélas. Oui. Oh. Bon, alors, elle va se faire attaquer, évidemment. Ah. Ouais, lui, il voulait... il est intéressé par la donzelle. C'est l'entrée de quoi, ici? Ah oui, d'accord, c'est pas pour tout de suite, ça. Ah, couteau émoussé. Ah si, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas un gentil, en fait. C'est peut-être pas un gentil du tout, en fait. Ramasser le couteau. En vrai, attends, je vais quitter le donjon, parce que je sens que ça sent bon. Ça veut dire que... je pense que la bouffe est bientôt prête. Donc c'est un peu relou de bouffer quand t'es en donjon. Résultat, on va attendre. On tient un couteau émoussé. Mais non, je parie qu'il y a... Moi, je pense qu'il y a... En vrai, why not, hein. Ils chantent pas faux, en plus, pour le coup, quoi. La Bassima, ils chantent... je trouve qu'ils chantent plutôt bien, mais... Ça a vieilli, quoi. Ça a vieilli, effectivement. C'est... voilà. Ça a vieilli. Ça a vieilli.
Tout le monde debout sur les tables. Tu vois, je trouve, par exemple, dans les trucs de vieux de Johnny Hallyday, je trouve qu'il y a des trucs qui ont très bien vieilli. C'est plus rock intemporel. Là, là, c'est les années. Bon. Voilà. Ça vieillit, quoi. C'est dur, dur. Alors. Mais oui, on l'a sauvé, ta petite. Tout va bien, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. Bon, les quêtes secondaires, ça fait pas pex des masses, ouais, non ? C'est pas la dinguerie du pex, hein. Clairement, je pense que pour monter, là, le reroll, faut juste que je m'en tienne... une fois, je suis à 50, ça ira mieux, pour le coup, mais... Je vais m'en tenir à... au truc de gain de niveau et tout. Mais j'ai l'impression que ça sent la saucisse. Je me demande bien ce qu'elle fait à bouffer, Nat. Il y a une odeur de saucisse dans tout l'appart, là. Je suis un peu inquiet. Que diable fait-elle à bouffer ? Je suis intrigué. Ah, je change de bague. En parlant de ça, on va aller faire la quête de classe. Première communion. Le plus rentable en expétant de l'ordre, c'est de faire les donjons de ton niveau. Ah ouais, mais en boucle. Je suis déjà assez abruti comme ça, je vais pas m'abrutir encore plus, tu vois. C'est la fois la saucisse avec la musique de creep. De ouf. J'avoue. Vieillard pas très croyant. Ouais, alors avec 4,50, on va attendre un peu. Alors, frais. Ah, ça a l'air stylé, ça. Je me doutais que tu viendrais ce soir, est-ce qu'il y a été voilà, prêt à reprendre où nous étions arrêtés la dernière fois. Tu dois sûrement avoir un tas de questions à me poser. Après, selon tu as été témoin, je t'écoute. La voix qui appelait à l'aide. Ah oui, la voix. Celle que tu as entendue quand tu as touché le cristal pour la première fois. C'est difficile à expliquer. Certains disent que la voix est une sorte de balise, un signal censé guider le chevalier noir vers sa vocation. À qui appartient-elle? Tu es le seul à pouvoir répondre à cette question, car chaque chevalier noir l'entend une différente. En t'habituant à puiser dans ton côté obscur, au fur et à mesure de ton entraînement, tu parviendras à l'entendre plus clairement. La communion permettra d'accélérer ton initiation. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'accomplir le rituel ici. Le Saint-Siège a les yeux partout. Nous devrions plutôt nous éloigner un peu. Jusqu'à Petit Alamigo, dans le Tanalan méridional, par exemple. Je reviens, je vais pisser. Heureux. Le palais des morts, je fous pas la place là-dedans. C'est une merde infâme, je touche pas à ce truc-là. C'est vraiment trop de la merde, le palais des morts, pour le coup. C'est pour t'abrutir la tête de manière trop conséquente. Il est un peu bas, FF, là. Ah, mais je m'en rappelle, c'est parce que je matais une série en même temps, c'est vrai, putain. C'est pour ça que c'est tout bas. Je suis aussi ponctuel, hein. T'inquiète pas, la communion n'a rien de compliqué. C'est un rituel qui te permet d'alimenter l'énergie de ta part d'ombre pour la canaliser plus efficacement. Mais ne va pas croire que ça ne présente aucun risque. Si tu en abuses, tu en mourras, ou pire. C'est pourquoi, avant que nous commencions, j'aimerais te demander une faveur. Je veux que tu tues quelque chose pour moi. Une chose sauvage, effrayante, qui te poussera dans tes derniers retranchements. Quand je te verrai prendre du plaisir, je saurai que tu es prêt. Demande à Gundobald. Il saura certainement quelle créature fera l'affaire. Ah bon ? Ah bon ? Ça m'a l'air très sain, cette histoire. C'est un plaisir de te revoir, mon ami. Tu as besoin de moi ? Tu cherches une créature féroce pour t'entraîner au combat. Dans ce cas, tu pourras trouver des pays particulièrement agressifs dans le labyrinthe rouge. Les trappeurs font tout ce qu'ils peuvent pour les éviter. Mais ceux qui ont le malheur de rencontrer, peu en sont revenus. Ces monstres ont tout l'air de correspondre à ce que nous recherchons, dites-moi en plus. Ces pays ont plusieurs fois attaqué des convois transportant les carcasses d'Etagne par le passé. On dirait que l'odeur les rend fous. Emporte ça avec toi, ça devrait les attirer. Eskel, je te serai toujours reconnaissant pour ce que tu as fait. Ces gamins étaient sur le point de commettre une terrible erreur sous le coup de la colère. J'hésitais à agir alors que je voyais leur rage grandir. Et c'est exactement ce que je vois brûler en toi maintenant.
Est-ce que tu chercherais le pouvoir de l'ombre? Merde. Allons-y. Je pense qu'il a dit. Je crois qu'il a eu le temps de dire. Je ne chercherai même pas à essayer de te convaincre de renoncer un truc dans le genre. Alors, ils sont où les péistes? Première communion, c'est là-bas. Niveau 35. Let's go! Mais si elle est belle, l'aventure. Ils sont proches, je peux les sentir en train de nous observer. Nous y sommes. Montre-moi qui tu es, Eske. Montre-moi de quoi tu es capable. J'attends. Ok. Bon alors, ces péistes, qu'est-ce qu'ils font de beau? Putain, ça sent vraiment de ouf la saucisse, hein. C'est terrible. Hein. Ah, faut en poser. Ah, attends maintenant. Présence hostile. Ouais, je doute que. Je doute d'être dans mes retranchements avec ça, hein. Mais bon. Est-ce que là, le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix ou pas? J'ai un peu boosté là, mais pas mal. N'hésitez pas à me dire. Je ne lui ai point demandé. Hein. J'ai fait vite. Très très fin en fait. Genre là, je suis en train de manger. Quelque chose. Fort. C'était pas difficile. Hein. Tu vas devenir fort. Yes. Temps de près. Ok. Parce que là, manger, Tioli. Là, le but du jeu, c'est d'être en live jusqu'à 22, 23, je crois. Ok. Merci, Lou. On va mettre à 25, ça va être pas mal comme ça. C'est de trouver un bon compromis. Tu m'as l'air prêt, écoute-moi bien attentivement, ferme les yeux, tends tes mains vers moi. Écoute la voix. Parce que là j'ai la quête 35, puis j'ai la quête 40, ensuite chevalier noir, pas encore la 45. Chaque respiration vous rend plus léger ou fait glisser peu à peu dans les ténèbres. Non. Pour moi c'est un non. Mettre un pied devant l'autre jusqu'au bout du monde et revenir sur mes pas à l'infini. On en parle après Xéla. Avancer, toujours, à quoi bon? N'hésite pas à faire par exclamation impression. J'ai fait une vidéo pour Superfuse. Non, je pense pas que ce soit une question d'attente. Je pense juste que le jeu est pas bon. Alors qu'est-ce que tu as entendu? Intéressant, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Ne baisse pas les bras. C'est grâce au progrès accompli que tu as pu l'entendre une fois de plus. Je suis sûr que le moment venu, tu comprendras son message et sa volonté. On dit que cette voix est celle d'une personne que le chevalier noir doit retrouver. Cela peut peut-être t'aider lors du long chemin qui t'attend. Oh, tu es habitué à ce genre de voyage. La vie sur la route a ses bons côtés. Aller librement et venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais il n'est pas de bonnes actions qui restent impunies, n'est-ce pas? J'ai connu un homme qui voulait devenir un héros autrefois. Comme toi, il a accompli de grands exploits. Mais ça l'a perdu. Lui-même ne savait plus qui il était. Il existe des tentations plus dangereuses que l'appel de ton côté obscur, Eske. Tu dois déjà le savoir, mais ce n'est pas le cas. Le moment viendra. Le rituel est terminé. L'heure est venue de nous séparer. Mais nous nous reverrons lorsque tu seras prêt. Tu sais où me trouver. C'est prêt. Ah bah j'arrive maintenant. Tout broc. Ça sent la saucisse. J'ai raison ou pas? Ça sent d'ouf la saucisse, je trouve. Hop là. C'est l'heure de la pause, le chat. Pause miam. Et on se retrouve après. Je vous laisse, rassurez-vous, avec du FF14 sur Esky Replay. Et re tout le monde. Alors. Ah oui, je crois que je t'ai pas répondu, Xéla, au final. Je suis passé toujours là. Xélanos. Ouais, pour l'instant. Bon, après, ça va évoluer. Je pense qu'il va passer en moyen. Shrapnel.
Be good time, can't connect. Tout le monde, je regarde un peu ce que disent les gens. And future again, it's not for... Ah. Ok, too early. Ok. Non, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Superfuse, au revoir. Je le ferai bien iPhone, mais je l'ai eu gratuit. Donc bon. Ouf. C'est forcément pas ouf. On a dit FF. Et coucou Kirei. En même temps, forcément, je suis sur FF. Faut bien une Kirei-chan quand même pas loin. Allons bon. Quand heureux. Hop. Ah, sur quel JRPG es-tu en ce moment, Kirei? Quel petit jeu japonais parcours-tu? Alors, ok, j'ai fait ça. En vrai de vrai, jouer. Personne à notre portal le faire en gang. En vrai de vrai. Enfin, j'ai fait. Non, je vais pas encore faire quête. Je vais faire ma. Cadeau. Qu'est-ce que c'est cette connerie encore? Ouais, d'accord. Encore des connards, ça. Je vais faire ma petite quotidienne. Je vais faire mes quêtes de chevalier noir. Faire le vigile de pierre. En gros, je vais peg jusqu'à ce que je peux la chevalier noir. Et ensuite, je pense qu'on passera sur Diablo. Mais j'aimerais bien passer mon chevalier noir 50. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu viens de m'envoyer, Pierre? Je suis sûr que t'es là, Pierre. T'es toujours là. Il y a une vidéo de gameplay en plus. T'es sûrement mes 10 ans. Je vais voir le gameplay. 7 minutes, ceci dit. Loss. All prop escape. Mais sur Unity, le plus grand MMORPG de tous les temps qui est sur Unity. Unity a beaucoup de qualité, mais bon. Bah, ceci dit, c'est toujours mieux la vidéo de gameplay que The Day Before. Parce qu'il n'y a pas de vidéo de gameplay de The Day Before. Bah, le feedback a l'air éclaté. Écoute, why not, hein? Why not one night? Mais bon. Biggest MMORPG universe in the world, ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. On a dit qu'on allait faire le vigile de pierre, c'est parti. Et je vais également aller faire la quête, donc voilà, niveau 40 de chevalier noir, ça donne envie, hein. Ouais. En vrai, j'ai vu Pierre. En vrai, de vrai, j'ai vu Pierre. Bon, 13 mars, ça te va ou pas, Pierre? On va se faire ça online, hein. Tranquille. Après, sur un malentendu, franchement, on motive. Okay. 13 mars, ça me paraît pas mal. Parce que nous le 3, tu sais, on est sur la semaine Gloomhaven. Avec Nat, Pookie et Lucas. Et donc le. En gros, attends, je reprends mon calendrier. Ice K, paf. Voilà. Non, mais Pookie. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'on l'a eu. Tu vois, j'ai reçu la bonne vidéo. Qui parle d'exploration et c'est bon. C'est bon, c'est gagné. Donc, Wild Hearts, Mars, voilà, c'est ça. Wolong, moi, ça, j'ai mis que je commençais le 13. Parce que donc, on n'est pas là, justement, du 2 au 9, 9 inclus. Le 10, bah, je serai lâche parce que je serai encore, on verra, peu importe. Et le week-end, on va faire, on va surtout, je pense, faire Last Epoch. Ça se trouve, Last Epoch sera nul, on attaquera le week-end. Prépare-toi au cas où, je sais pas si t'es dispo, hein, le week-end du 11-12. Mais si Last Epoch, on se fait chier, je pense pas qu'on se fasse chier, quand même. Fatal me vend le jeu depuis des années. Donc je pense pas qu'on se fasse chier comme sur Last Epoch. Je sais que le feedback est éclaté au sol, mais je me dis que y a quand même moyen que le reste soit quand même bon, quoi. Donc bon. Et c'était pas des saucisses, donc ouais, c'était des carbonara que Nat a fait. Ça fait penser que la série que j'ai bien gardé bien, non?
Je viens de tilter un truc, attendez, sur le Panasonic. Je viens de tilter un truc. Il parlait d'un câble. Ça se trouve, j'ai pas le bon câble de charge. Voilà. Ah, vendu séparément. Attends, le chargeur batterie, bah si, pourtant. Attends. Ça, je comprends pas, attends. Non, non, je suis pas fou, mais juste une camule. Je t'envoie le lien. Mais je crois que c'est ça qu'on attend. Je t'envoie le lien. Lors des longues prises de vue dans le studio comme ailleurs, cette option permet d'alimenter l'appareil photo. Lorsque vous l'utilisez avec le chargeur de batterie, c'est le Adrenalord. Avec le chargeur de batterie. Mais c'est pas ce que j'ai déjà, ça? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, j'en ai un chargeur de batterie, mais ou alors c'est encore autre chose. Peut-être pas le même truc. Je t'ai envoyé le lien, en tout cas, Nat, il y a tout dessus. Salut, Alios. Écoutez, moi, j'ai mon retour. Non, non, c'est juste ma cam qui pue la merde, les gars. Elle est pas... Moi, elle est juste moche, quoi, mais c'est... Et encore, vous avez raté ce matin, parce que ce matin, c'était stylé. Attends, restore, c'est quoi ça? Arme de sang. Ce matin, j'ai pu tester justement avec mon Panasonic. Hein. Ça avait de la gueule. Hein. Ça avait de la gueule. Tu as bonne mise à esquer, oui. Non. Ok. Retrouvons-nous au mur incandescent. Ok. N'hésitez pas à voir le début du replay. Et point d'exclamation clip, d'ailleurs, les arrivants. Grosse nouveauté sur la chaîne. Parce que là, pour le coup, non, c'était assez ouf la caméra ce matin. C'était très, très stylé. C'est juste qu'elle a duré 2 heures. En fait, la batterie est marquée qu'elle dure 2 heures. Mais comme je l'ai branché en USB, ça m'étonne que ça n'ait pas tenu. Donc, faut voir, est-ce que c'est le bon câble? Est-ce que... Pardon? Springan. Mais après, ce qui compte, c'est le corps de bataille. En fait, on peut jouer ensemble du moment qu'on est sur le corps de bataille. Et je suis sur le corps de bataille, chaos. Chaos. Alors, attendez. Le prix du sang. Tanalan. C'est parti. Mais point d'exclamation clip, le chat. Qui est la grosse nouveauté de la chaîne. Qui est là majoritairement pour vous. Ça va me servir, hein, mais c'est vraiment là pour vous faire gagner, en fait, des points de site. Vous permettre d'acheter plus facilement, en fait, les jeux sur le site internet. Et tout ce que vous avez à faire, bah, c'est de participer à la chaîne. Voilà. Me donner un peu de votre temps, en fait, en gros. C'est un petit effort supplémentaire, mais qui est quand même, pour le coup, bien, bien rentable. Bien rentable pour vous. Hein. Ça peut prendre en littéralement 30 secondes. Vous pouvez gagner 30 secondes par jour. Vous pouvez gagner bah, de quoi acheter presque un jeu en plus par mois, quoi. Et donc Pierre, t'as eu ta PS5. GG. C'est cool. Mais ouais, je pense que le 13, ça me paraît pas mal. Le lundi 13, je pense que là, à cette époque, on l'aura jamais souhaité. Je check. Tout à fait. C'est beau, hein. C'est pas mal, hein. Sans ça, j'ai hâte de la rebrancher, hein. Crois-moi, là, je la trouve dégueulasse, hein. C'est horrible. Ouais, c'est la nouvelle cam, c'est le GH5. Voilà. Et encore, dis-toi la qualité, là, non, elle est incroyable par rapport à cette merde actuelle, mais en soi, elle est presque nulle, parce que c'était que du 960p. Et là, le but du jeu, justement, c'est que si j'arrive à trouver, parce qu'il y a un truc violent, tu peux le brancher, et tu es en 4K, donc en 2160p. J'ai 3 de dés. Ça, c'était que en 2160, dis-toi. Et ouais, la qualité, c'est genre cinéma, quoi, c'est une folie. Trouve des backpicks, ok. C'est pour ça, je suis ravi de ouf. Mais il y a encore des trucs à, il y a des trucs encore à paramétrer, quoi. Déjà de voir pour que ça tienne au moins tout le temps, en fait, parce qu'en gros je suis en câble, donc ça doit charger en boucle. Mais peut-être pour que ça charge en boucle, faut que je passe par autre chose. Enfin, faut que je vois. Je suis pas du tout, vous savez, je suis pas un ingé son ni vidéo. Je sais pas si ça existe un jeu vidéo, mais je suis ni l'un ni l'autre. Donc bon. Attends, arme de sang.
Restore vos PM chaque fois. Ah, d'accord. Ah, ça, ok, ça me met des stacks et qui restaure ma mana. D'accord. Ok, je comprends bien.